Eh bien, bonjour à tous, c'était Pseudo, et voici pour la fin du NetNet de Epic Battle Fantasy 5. Donc, nous sommes prêts et parés. Tout le monde est là pour nous donner des ressources. Bon, il est complètement paumé. Ah, et du coup, j'ai vendu toutes les choses un tout petit peu trop. Je pensais pas qu'il allait redonner tout ça là. Mais bon. En tout cas, allons-y. Je me suis équipé. Ouais. Je rappelle que maintenant ils sont au courant que nous sommes. Qu'il y a deux personnages joueurs. Donc là pour le coup, moi. Et. Qui vont se battre contre la source de l'invasion extraterrestre des monolithes cosmiques. Nat qui est toujours là pour remonter le moral. Et donc, il est temps. Non, c'est un ennemi assez simple. En gros, il va vous attaquer avec de multiples éléments, il va être faible que contre un seul. Donc, vous savez quoi faire. Ah oui, il va avoir une tendance à contre-attaquer.
allez. C'est parti. Là, il va pas arrêter de me faire cette attaque là. Il va avoir sur la durée. Donc à tous. Et donc voilà le vrai boss final. Le destructeur. Donc il est faible face aux ténèbres et à la lumière. Et on va s'occuper de ça assez rapidement. Alors, il utilise ce sort de soin lorsque il y a deux, quand ça avait deux petites attaques qui sont paralysées ou cédées. Donc, du coup, faut faire un peu gaffe à ça. Ah oui, et quand ces tentacules comme ça pètent, elles vont lancer un sort de poison qui va donner du virus.
Alors, ce sort-là en épique, il est assez compliqué. Parce que du coup, il va se charger maintenant. Mais il peut attendre jusque 1 à 2 tours avant de lancer. Donc du coup, gardez vos buffs prêts. Parce que ça peut arriver n'importe quand. Et du coup, ce sort, il peut l'utiliser à deux fois, à deux intervalles réguliers. Et après, il y aura quelque chose de sympathique. Et oui, il y a des gros parallèles avec Undertale et Sam.
Et donc, nous nous retrouvons face à la dernière phase du boss. Et où, maintenant, nous avons un nouvel effet. Suppression. La terre a été supprimée, les joueurs subiront davantage de dégâts à chaque nouveau tour. Ça ne peut pas être annulé. Et en fait, ça commence par 1,5 dégâts, après ça augmente à 3, 4,5, 6, etc. Donc vous avez désormais un nombre limité de tours pour finir le jeu. Mais vu les dégâts qu'on y fait, on ne devrait pas avoir tant de problèmes que ça. Notamment, il est maudit. Notamment, il est maudit. Est-ce qu'il peut pas te geler? Non. Hop. Toc. On devrait lui faire de très gros dégâts. Si ça ne tue pas, ce sera une affaire de quelques tours. Et voilà, nous avons gagné. Chose amusante, si jamais vous utilisez un sort Genesis par exemple, la Terre sera remplacée par un truc Error. Et donc ainsi, la Terre fut enfin libérée du joug manipulateur des tentacules du dévoreur. L'immunité cosmique est activé. Et donc là, ce petit épilogue que vous voyez va avoir une variation selon le fait que vous ayez assez de points d'affinité entre les différents personnages. Comme je l'avais expliqué un peu avant, les personnages ont au début une barre de 3000 d'affinité à obtenir afin d'avoir leur entre guillemets bonne fin. Et ils gagnent un point d'affinité à chaque fois que par exemple Matt et Anna se combattent avec l'un et l'autre, ils sont en vie, ils vont gagner un point. S'il y a Noneg avec eux, ils vont gagner 3 points. Il n'y a pas de point d'affinité avec Noneg. Et du coup, cette limite de 3000 points est diminuée à chaque fois que vous obtenez 3 coffres, que vous avez des quêtes, que vous obtenez des connectables, des petits trucs à collectionner, des médailles, etc. Mais quand on est en épique, de toute façon, on va gagner automatiquement. On est garanti d'avoir la bonne fin. Vu que la limite maximum, en fait, ça baisse de 5000 et c'est bien plus. Enfin bref. Ouais, ça valait carrément le prix que j'ai mis dedans. Complètement. Je me suis fait 4 parties dessus. Ouais, c'est. Ça valait le coup. Maintenant, la première, ça m'avait pas. Ça a été ma pire expérience, mais après j'ai pu l'apprécier en ayant des bonnes options.
Ah oui, et puis là du coup on a le New Game Plus. Du coup on nous dit que qu'on ne peut pas tricher et accomplir des défis épiques. Non, non, elle va juste hop, voilà. Et du coup, dans le New Game Plus, bon, vous recommencez la partie avec évidemment tous les objets que vous aviez, mais surtout, vous ne pouvez pas obtenir les médailles de ce type en difficulté épique. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez pas? Tout simplement parce qu'en fait, vous tous les coffres avec les stéroïdes vont revenir. Et du coup, comme vous allez beaucoup moins augmenter de niveau dans cette dans les, dans chaque New Game Plus, du coup, vous allez obtenir beaucoup plus de stats enfin, votre augmentation de force va être bien plus supérieure à celle de l'ennemi. Et du coup, évidemment, vous finirez par trivialiser tous les défis. Mais enfin, eh ben, je vous dis d'y aller. Je vais vous montrer un dernier petit truc, du coup, parce que j'y ai pensé. J'y avais pensé avant de faire ce let's play. Et ça a été de voir ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la zone que vous obtenez quand vous avez plein de toutes les médailles. Donc, vous obtenez des stéroïdes. Des consommables et d'autres stéroïdes et quelques petits artworks. Donc les artworks des joueurs magnifiques. Vous avez aussi ici. Des combats un peu nuls. Hop. Disons-le franchement. Mais en fait là on a des 4 pixels. Avec la meilleure OST du jeu.
Bref, donc on a les 4 pixels là. Et nous avons aussi ici un dragon Omega. Bon. Un petit coup de virus et puis il n'y aura pas de problème avec ça. Si vous voyez que j'ai que 3 joueurs, c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore débloqué Lance et l'autre dans ce New Game Plus. Et surtout, nous avons aussi ceci. Une liste de codes de triche. Et aussi, merveilleux, vous avez fini le jeu, c'est fini. Vas-y, achète-le à nouveau, s'il te plaît. Et donc, c'était ça. Et de toute façon, c'est vrai que c'est un peu décevant, vous avez juste quelques petits artworks, beaucoup d'astéroïdes alors que vous avez accompli toutes les médailles. Et des combats de pas si compliqués que ça. Mais en même temps, il vous le dit. C'est déjà vu, n'est pas si génial. Mais il faut garder quelque chose pour les joueurs les plus motivés, non? Et du coup, les codes de triche que nous avons obtenus. Ah, tiens, ça ne les a pas mis. Si je fais ça. Ah tiens, c'est marrant, je t'animais pas. Ah, peut-être qu'il y a une vérification pour le fait qu'on ait toutes les médailles. Mais du coup, ça a donné des triches comme un mode, je crois que c'était catastrophe, plus un god mode, et puis des nouveaux codes de triche bien sympatoche. Bon, bah voilà, du coup, c'était Epic Battle Fantasy V. Je vous laisse sur les crédits et je vous dis salutations à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à supporter Matt, Infierna et tout le reste. D'ailleurs, j'ai une Epic Battle Fantasy Collection à acheter. Allez, salutations à tous, à la prochaine, c'était Absolo. Je serais quand même toujours aussi impressionné de voir qu'au final, au début, ça venait d'un jeu de boss rush qui était particulièrement simpliste. Et puis après, qui maintenant s'est transformé dans un jeu, un énorme RPG avec niveau des situations, des PNJ qui évoluent avec des multiples traductions, plein d'effets de statut qui permet d'améliorer la tactique et la stratégie, une innovation innovante avec DDD, enfin innovante, peut-être que ça a déjà été fait par d'autres, mais en tout cas sur celui-là, c'est comme c'était là où j'ai découvert cette mécanique avec les invocations, les captures, tout ça. Merci, Matt.